Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un décor un peu particulier étant donné que je suis à Cannes avec Estelle qui est juste derrière moi. Je peux pas montrer parce que sinon il y a la chambre trop en bordel. Donc c'est à toi de venir. Voilà, on va faire les magasins et ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo challenge. Je dois trouver un look 100% féminin pour moi, notamment pour vous montrer qu'on peut s'habiller chez les femmes et quand même avoir un style, bah, pas forcément masculin, mais c'est un style unisexe en fait. Qui peut aller pour les deux, voilà, pour tout le monde. Dans tous les cas, j'ai déjà acheté des fringues chez les femmes. Mais là, le but, c'est vraiment d'acheter une pièce, enfin deux pièces, parce que les chaussures, je rentre pas dans du 38, donc je vais garder les miennes. C'est d'acheter des habits femmes qui fassent pas forcément femme sur moi. Voilà, c'est un peu ça le but, mais c'est voilà, vraiment pour vous montrer qu'on peut s'habiller chez les femmes tout en restant masculin ou en étant unisexe. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Look of the day, vraiment très chill, moi qui mets un chapeau, lol. On dirait limite un farmer, surtout que j'ai des Birkenstock, mais bon, voilà, c'est cool. Il faut appuyer sur l'ascenseur, sinon on risque pas de sortir. Ah bah tiens là, regarde encore mieux. Voilà, petit look, vraiment très chill. Premier stop, Estelle va aller chez Louis Vuitton pour voir. Pour cette petite malle. Oui mais c'est la même. Bref. Non, c'est pas du tout la même. Mais attendez, parce que j'ai pas envie de vous là. C'est trop mignon. C'est pas là-bas que j'ai trouvé un look de meuf, mais bon. On vient de regarder. C'est trop mignon, c'est ça. Voilà, on l'a reposé vitef et on se casse. Du coup là nous sommes chez Prada et t'as Estelle qui vous laisse ce sac depuis vraiment longtemps. Parce qu'en fait il y a des lunes. Il y a des étoiles, et comment vous dire, vous savez très bien que j'adore Estonie, et ce sac je l'avais vu depuis plusieurs mois. Bon bref voilà, et donc du coup elle va se le prendre, et moi bien entendu I'm broke, donc voilà, je suis juste là au gros panier comme un gros cassos. C'est génial, avec des Birkenstock, les pieds à l'air. Bon ben du coup on est chez Dior, et j'ai acheté un t-shirt homme. Non, pas pour toi, et je viens d'acheter un t-shirt, mais homme. Voilà voilà, je suis grave content, j'ai pas vlogué, mais... C'était pas dans le truc, mais bon. Who cares anyway? Du coup, on va commencer avec Zara, hein. C'est un peu cliché, mais bon, voilà. C'est pas comme s'il y avait 50 000 magasins. Hein. Si je veux faire un look Chanel, je suis servi. Ou un look un peu plus bohème, disons. Sinon, un style Jacquemus, mais étant donné que c'est un body, ça risque d'être un peu compliqué. Encore des bodys, c'est un peu compliqué. Ça s'annonce plus compliqué que prévu. Ah, une robe en sequin, c'est génial. Il y a un gosse qui chale. En vrai j'ai trouvé des trucs, mais le seul problème c'est que j'aimerais le reporter après, donc du coup je peux pas acheter de la merde quoi. Bon au final no, j'avais pas vu, mais en fait il y avait des coutures en bas qui faisaient vraiment trop meuf. Donc j'ai décidé de ne pas l'acheter. Ça va Estelle? Oui. Du coup on va aller chez Desigual. Non je déconne, ça clairement c'est impossible. Bon du coup on va tenter, enfin je vais tenter ma chance plutôt, chez Mango. J'ai un peu le seum, j'ai trouvé une chemise, mais en fait elle était rayée, gris, verte. Mais vert kaki assez spécial et je me suis dit je pourrais jamais l'associer. Donc voilà, on continue. On a fait une pause gourmande entre du shopping. Oui. Elle est contente? Oui. Et c'est avec la bouche pleine que je rentre chez COS. Alors là par contre si je trouve pas je comprends vraiment rien parce que c'est vraiment l'antre des collections unisex, genre voilà. Donc ben faut que je cherche. Il fait tellement chaud, genre j'en peux plus. Estelle vient de me rejoindre. Ouais parce que moi je trouve jamais rien de ce genre de petite. Ah ok, merci. Je suis plus rock'n'roll. Excuse-nous. Voilà, il y a un haut super sympa, mais il est transparent comme pas possible. Estelle qui vient de me dire, ouais, bah tu mettrais un soutif en dessous. Ah ouais, merci. C'est très gentil. Merci, tu me sauves la vie. Voilà. Ou alors ça fait un style un peu plus SM. C'est à moi de voir. Et comme par hasard, j'ai trouvé un pantalon chez COS. J'ai pas trouvé un haut. Non. C'était trop simple et à la fois, genre, enfin bref. Ça m'a pas plu et j'allais pas acheter un truc juste pour la vidéo. Du coup, étant donné que j'ai un petit t-shirt que j'ai acheté chez les femmes, que j'ai emmené ici, du coup je vais vous faire un look avec ça. Et donc du coup là maintenant on va aller chez Cartier pour se faire un petit plaisir. Ou que Estelle et peut-être pas moi. Ouais, bien sûr, toi aussi. Oui j'aimerais bien mais voilà. Voilà, je suis pas que la seule, arrête. Broke V. Bref, cette vidéo va se transformer en vlog complet de nos vacances à Cannes. C'est génial. Par contre, faire les magasins avec cette vue, c'est vraiment cool. Je comprends mieux pourquoi les gens du sud n'aiment pas monter à Paris. Franchement, il fait super beau. C'est trop stylé. Estelle est enchantée. N'est-ce pas Estelle? Tu es enchantée. Ah oui. Ok, donc on rentre bredouille. Enfin, on rentre parce que... C'est le match de foot. C'est le match de foot. La donc France, du coup. Uruguay. Voilà, on est obligé de regarder. Et on rentre bredouille parce qu'en fait Cartier n'avait pas la taille de nos deux bagues en fait. Et moi je voulais, ouais voilà, oui. Bon bref, donc là on retourne à l'hôtel. Et après je vous ferai le lookbook.
me voilà de retour à Paris, on n'a pas eu le temps de tourner le lookbook, c'était trop le rush. Du coup là je vais aller à Marseille, donc je vais tourner le lookbook à Marseille. Sauf que je devais d'abord rentrer, donc là je fais la conclusion. Bref, le t-shirt c'est un Jacquemus femme, mais il est unisexe, donc j'ai un peu triché. Et le pantalon c'est du coup un pantalon cos, qui est par contre 100% femme, c'est une taille 36, ça m'est trop grand. Mais il n'y avait pas de 34 parce qu'il était en solde, il était à 40€ il me semble. J'ai mis ça avec les Valentino ou les Birkenstock, étant donné que je sais que pas beaucoup de personnes aiment les Birkenstock. J'ai mis les Valentino en plus, elles existent pour les femmes et pour les hommes. Et si vous vous demandez d'ailleurs aussi pourquoi je porte encore un chapeau, c'est parce que entre temps je me suis éclaté des ch'tards et du coup j'ai un peu honte, donc ça camoufle. Et j'aime bien la vibes, clairement, voilà, bref. Donc voilà, je voulais juste encore vous dire que portez ce qu'il vous plaît à partir du moment où ça vous fait plaisir. Je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est véridique. Moi j'ai déjà acheté des habits chez les femmes et j'en suis pas moins viril. Enfin, je sais pas, c'est... ça se voit pas que c'est des habits femmes et on m'a demandé, beaucoup d'hommes m'ont demandé ça vient d'où. Et finalement, je suis là en mode, ben c'est de la femme. On s'en fout que ce soit femme, homme, enfant, parce que même si vous êtes, enfin par exemple, s'il y a des gens petits, ils peuvent s'habiller chez les enfants, on s'en fiche à partir du moment où bah, ça vous fait plaisir et vous êtes bien dans vos fringues, c'est l'essentiel. Je pense que là maintenant, il y a un moment, faut arrêter, genre ah, ça c'est femme, ça c'est homme. Chacun fait ce qu'il veut, clairement. Il y a plus en plus de marques qui font des collections unisexes et je pense notamment à H&M. Enfin, c'est le dernier en date qui est venu, bref. Mais je trouve ça vraiment bien, c'est une super bonne initiative. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est la fin et que j'en peux plus de tenir mon appareil. D'ailleurs, je porte le t-shirt Christian Dior. Là, maintenant, j'y pense parce que j'en ai parlé dans la vidéo. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à lâcher un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez que je refasse un sort de challenge comme ça, non, avec d'autres saisons, genre hiver ou machin, n'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine. Salut !